Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est Hugo05. En cette période de Noël, je parie que certains d'entre vous vont se mettre au sport d'hiver. Sauf que là où j'habite, malheureusement, il n'y a pas de neige. Et oui, en Bretagne, on n'a pas de montagne, mais on a quand même une bonne descente. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo détente sur SSX, sortie en 2012 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc, SSX, qui est le dernier opus en date de la série SSX, donc de Electronic Arts, une série de jeux de snowboard un petit peu déjanté où les tricks sont un petit peu surréalistes. Donc je vais vous proposer deux petits rides. Voilà, donc là j'ai décroché la médaille de bronze déjà. Donc je suis sur une épreuve de tricks. Donc l'épreuve de tricks consiste à enchaîner un maximum de tricks pour faire le maximum de points. Alors que dire du background de ce SSX? Eh ben, nous avons un rider qui, j'ai oublié son nom, qui défie les autres riders sur ce qu'on appelle les descentes de la mort. Mais avant de parcourir les descendre les descentes de la mort, et ben les riders devront faire leurs preuves sur différentes épreuves et avant de descendre ces fameuses descentes de la mort qui portent bien leur nom, hein. Enfin bref, donc j'ai fini la campagne solo de SSX, donc là j'avoue j'ai fini, enfin j'avoue comme si c'était, j'ai dit ça comme si c'était un défaut. Non, voilà, ça fait partie des jeux que j'ai terminé, donc j'ai terminé la campagne solo de SSX, mais au-delà de la campagne solo, il faut terminer le mode exploration et récupérer toutes les médailles, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, et là je me vautre comme une je me débrouille comme je peux sur ces rides, mais je fais pas une descente parfaite, hein. Et hop, on s'accroche à l'hélico pour maximiser les points, et là boum, on se vautre comme une crêpe. Voilà. Alors franchement, j'ai pas brillé au cours de ces deux descentes, c'est juste pour vous remontrer le jeu, pour vous rappeler qu'il existe. Voilà le jeu SSX, qui est un bon jeu, hein, c'est un bon jeu de snowboard, hein, sachant que ces genres de jeux sont relativement rares aujourd'hui, hein, maintenant les jeux de sport, il n'y a plus que pour le football, hein, éventuellement le basket, mais bon, les jeux de snowboard comme ça, de sport d'hiver, ça nous manque, hein, même... Moi je m'amusais aussi sur Pool Border à l'époque, sur PlayStation, Pool Borders 2. Enfin bref, bon voilà, vous voyez, je me suis foiré, je me tiens la tête à deux mains, donc voilà, c'est raté. Donc on va passer à une autre descente, voilà, et bah voilà quoi, c'est juste pour vous faire un petit topo sur le jeu. Donc comme je l'ai dit, il y a une campagne solo où il faut concourir à une série d'épreuves avant de descendre les descentes de la mort. Et voilà, une fois que toutes les descentes de la mort sont descendues, et ben vous faites la course contre comment il s'appelle, j'ai oublié le nom de ce rider, mais vous faites la course contre lui dans une descente qui combine un petit peu tous les trucs vicieux du jeu, quoi. Oui, voilà, je vous spoil un petit peu pour ceux qui n'auraient pas fini le jeu, mais voilà, c'est comme ça que se déroule ce SSX. Après, oui, comme je dis, il y a des médailles à récupérer en mode exploration. Il n'y a pas que des épreuves de tricks, hein. Là, je fais que des épreuves de tricks. C'est mes épreuves préférées. Et il y a aussi des courses et des épreuves de survie. Donc, il varie un petit peu le... Alors au niveau du gameplay, donc quand vous enchaînez les tricks, et ben vous remplissez votre jauge de turbo, et quand votre jauge de turbo est au maximum, vous passez en mode tricky, ce qui vous permet de faire des tricks encore plus surréalistes, et vous confère du turbo illimité, donc à vous d'en profiter, de faire les plus gros sauts et de faire les plus gros tricks possibles. C'est voilà, faut vraiment exploiter cette mécanique de jeu. Après pour au niveau des commandes, c'est très simple, hein. Il suffit d'utiliser les 4 touches carré, triangle, rond, croix pour attraper la planche devant, derrière, à gauche ou à droite, et ensuite vous faites les flips avec le stick directionnel. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Le jeu SSX est vraiment très simple, très accessible. Il y a pas de manœuvre trop technique à maîtriser. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Donc là, on va terminer gentiment ce run. Voilà, et là je rate le saut, je loupe le saut comme un gros débutant. Je saute, et on saute. Wouh, voilà, c'est quand même, voilà, c'est un super jeu SSX, hein. Je vous le recommande si vous aimez les jeux de sport d'hiver, les jeux de snowboard, vous êtes nostalgique des vieux,
Enfin, c'est pas si vous êtes nostalgique, hein, c'est, ouais, c'est assez orienté arcade, hein, évidemment, c'est pas vraiment une simulation, mais c'est vraiment un bon jeu, quoi. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter, voilà, on a bientôt terminé notre petit run. Donc hop, le petit saut, voilà, ouh, la petite cascade, voilà, mais malheureusement je n'irai pas au-delà de la médaille de bronze. Voilà, j'aurais pas fait mieux que pour le précédent run, donc tant pis. Et voilà, on est presque arrivé au bout, donc voilà. Donc la vidéo s'arrête bientôt ici. Ah ben, non, je crois qu'elle s'arrête pas bientôt ici, il reste encore un peu de temps, parce que quand on commente, le temps nous paraît long, hein, même 6 minutes ça nous paraît long. Voilà, là on est arrivé au bout. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo détente gameplay sur SSX, sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à vous de l'avoir regardé et bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine. Allez, peace, bye, ciao.